Porras, j'adore ça. Vous en avez toujours 20 euros. Tiens, frère. Merci. Ça, c'est bon. C'est bien, ça va. C'est d'où je viens. Merci beaucoup. Oh putain! Vous en reprenez maintenant, même connard! Faites-moi les malins, hein! Oh merde, ma caméra. Elle est morte. Putain, bordel. T'es con, sérieux, j'ai peur. J'ai une putain de peur. Dis, Marwan. Quoi? C'est pas grave si le film ne veut plus, hein. Non, c'est vrai. Je crois sur ce coup, on est quitte avec lui. Combien de clés tu dois me donner? Deux. Bon, ben voilà, envoie. On a dit au monsieur que c'est bon. Monsieur? Ouais. C'est bon pour la chambre. Merci. Vas-y. T'as peur de quoi? Je vais partir en courant avec. Une phrase. Qu'est-ce que ça va, je vais partir avec. T'as peur de quoi? Je vais partir en courant avec. On va dire là. Dis, Marwan, c'est pas grave si je filme plus. Essaie de pas taper là, de taper plus là, là. J'y vais fort. Hein. Mais tape pas sur le côté, hein. Tape bien à plat. Oui, mais ferme les yeux, au cas où, ferme les yeux. Oh putain! Oh! 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 J'ai pas tapé fort! Hein. Oh! De toute façon, c'est trop épais, hein! Oh. Tu diras à Bergès que. Oh putain, ça réveille, l'enculé! Tu fais pas ça, toi! Bah, si, c'est du sucre! Je suis en vie! Ouais, tu vas encore parler. T'as vu qu'on te l'a fait peur? Allez! Ça t'a dit « Eh Mathis, ça va ?» Ouais, tu gères. Tu l'as mis les oreilles écouteurs ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beatbox, il y a elle. T'as eu quoi qu'on est gérateur ? T'as cru que t'allais tourner dans un film de merde ou quoi ? Tu nous as pas vus ? On est prenant la vidéo. Qu'est-ce que tu vas faire pendant ces plusieurs jours qui va se... Qui va se passer ? Ben, je vais jouer un rôle. Je vais jouer le rôle d'un... d'un gros dur qui vient des quartiers. C'est moi, parce que je suis mandat, je suis un gros dur qui vient des quartiers. Et du coup, bah, je vais essayer de faire au mieux, malgré que je bafouille pas mal, que je sois trop speed. Et voilà. On va voir, on va essayer de triper, on va essayer de s'amuser, on va essayer de... Je vais culpabiliser parce que je vais pas faire le ramadan, mais voilà. Alors, qu'est-ce que tu fais parmi nous? C'est quoi ton rôle parmi nous? Donc t'es en train de faire quoi là? Oh, tu me pètes les couilles. Ah, l'assistante, elle sait tout. Moi j'ai une fille
D'accord, je sais. Assistante. Assistante, assistante. Je tiens la perche. Votre patron est en train de faire quoi là? Attends, tu vas voir mes boutons et tout. Mais je suis pas prêt, t'inquiète. Attends, attends, attends. Ouais, dis-moi tout. Il est en train de faire quoi, le réalisateur? En fait, il est passé. Il est en train de préparer le recorder pour la prise de son. Attends, j'oublie d'enregistrer. Non, c'est rouge. Donc il a d'accord. Donc okay. Tu vois, ça c'est une perche. Là, tu vois la moumoute là? C'est par là qu'on prend le son. Le son, il suit le câble, regarde. Il passe par là, ensuite il vient là. Là. Non, c'est pas bon, regarde. Et il rentre dans la machine. Wow. Et là, il est enregistré. Et sur tout ça, on peut l'utiliser sur l'ordinateur pour faire le montage son vidéo. Non, mais c'est. Putain, il faut tout lui apprendre à ce gosse, c'est insupportable. Je sais d'où je viens et j'oublie pas, surtout face à ce gros. Très bien. T'occupes, je gère, roule. Ferme ta gueule, roule, je t'ai dit. Ferme ta gueule, roule, je t'ai dit. T'as peur de quoi? Je vais pas partir avec. Ah non, t'as peur de quoi? Je vais pas partir en courant avec. Putain, parce que. Ah, putain, faut que je fasse une cave. Ah, c'est oh, putain. Putain. Oh. C'est presque ça. Oh putain. Ah, putain. Ah. Putain, non, putain. 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 Putain, ça passe pas, putain, comme ça? Non, c'est putain. Un, c'est un putain. Fermé. Tu sais quoi, en fait, faut appuyer sur le U du début. Ouais, et comme ça, le tu. Le il passe. Putain. 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 Ouais, c'est bien. Ça va là? Ouais, très bien. Putain. Parce que je viens de la tessie, je suis con. Je viens, pas je viens. Je viens. T'as vu la différence, hein? Ouais. Allez, t'as bien moi. Je trouve que dans tout bon court-métrage, film, tout ça, il faut qu'il y ait du sexe. J'ai prévu. Voilà, un minimum de sexe. Il y a des images? Non, là, il n'y a pas d'images, là. Non, pas bien, hein? Vas-y, montre-moi ta gueule, qu'elle fait du bruit, quoi! Suspension hydraulique. Petite aiguille de décoration. Ouais, ouais. Là, tu vois, ça, c'est pour faire plus aérodynamique. C'est monté en injection double corps. Les deux. Électrique. Ah, il y a des boomers ou quoi? Des boomers? Ah, bien sûr, mais sous le capot, direct dans le moteur. Pour avoir plus de watts, direct dans le moteur. Genre c'est... Wow. Vas-y, fais le remontant. Le remontant c'est trop chaud parce qu'elle est dure. Bah, c'est bon, t'es filmé, t'es content? Il peut passer deux fois en premier. Ça y est. J'en ai pas parlé pour l'instant, mais... Y'a un apéro ce soir? Une indemnité. Ça tourne, annonce. Scène 1, plan 5, prise 5. Hein? Ça va être lourd. Ah, je suis entre chaque prise, ouais. On verra, mais là on n'a pas le rythme là, parce qu'il faut avouer que c'est le début. Donc on a un petit peu un peu les pieds dans la marmelade de temps en temps, mais je trouve qu'on va quand même assez vite. Pour un début. Donc après ça va aller, je pense que ça va aller assez en s'améliorant. Et après ça va le faire dans pas longtemps, ça va le faire. Action! Vas-y, avance là! Avance là! Sac con! Vite, monsieur, vous avez un problème? Quoi? Vous avez un problème? Ça se voit pas? Je peux rentrer là. J'adore ça. Non, mais j'y crois pas. Eh oh! Non, ça marche pas. Continue. Attends, enlevez pas les voitures coupées. Il y avait pas les voitures. Pas mal. Nous sommes en train de voir en fait, parce que c'est très compliqué. Hein. C'est très compliqué. En fait, le bout de script, c'est là où on fait les time codes pour le montage. Les time codes, le nom des séquences, savoir si elles sont bonnes ou pas. Et le problème, c'est que comme on va filmer en double avec la caméra du réalisateur, du jeune réalisateur Aubert, du personnage d'Aubert, et ben donc on est en train de regarder pour que ça soit le plus simple et le plus visible pour les séparer ou pas sur la feuille de script. Voilà. D'accord. Je pense que c'est éventuellement le plus simple. Vas-y. Menton, Farid, menton. Allez, fais-nous un bon coup là, bon coup là.
bizarre. C'est trop facile. Alors c'était quoi ce combat là ce... Il sait pas boxer. Ah ouais. Ah mais c'est une flotte. Mais en fait regarde, je vais montrer. Montre ta blessure de guerre. C'est parce qu'il s'est fait... C'est blessé ici, il peut pas se servir de son bras droit. Ah je comprends. C'était quand? C'était une bagarre avec des dealers. Ah. C'est un truc comme ça. C'était pas là. Un couteau. Non, c'était avec un requin. Ah c'est ça. Avec un requin? Ouais, mes vacances en Australie. Je faisais du surf et. On m'attaquait par derrière le cul. Jack Johnson en fait. T'as rien vu. Le requin a voulu voler sa planche alors. Voilà. Il s'est battu. Et qui c'est qui a gagné? Bah, c'est moi bien sûr. Regarde, je comprends. Ça. Voilà, j'ai vu que ça. Lui par contre, il est sur la broche. Tu as fait la technique du. Au bout du nez. Ouais. Bon, Madeleine, dis-moi tout, qu'est-ce que tu es en train de faire? De péter la caisse à Mathis. Et à part ça? On fait un film, non? Ouais, mais bon, je veux savoir ce que tu fais en détail, là, avec Mathis. Tout. Tout ce qu'il veut. J'avais dit de pas dire. Pas la caméra. Mais avec Mathis, on fait des trucs très... sportifs. Tu vois. Et ça sert à quoi, ça? Ça, c'est un bras magique, parce que tu peux le mettre dans tous les sens que tu veux. Et ça sert à quoi, alors, ça? Alors là, faut pas dire, on va accrocher la caméra de Blaise. D'accord. Voilà. Pour après filmer en roulant. Voilà. D'accord. Ok, bah attends, on va voir. Comment c'est. Voilà, là je vois mieux. On l'avait jamais mis comme ça ou pas? C'est une bonne idée. Je sais pas, de jour en jour, je viens de mettre de plus en plus d'idées. Le dernier jour, ça va être de la folie, tu vas avoir un plan en gris. Qui bouge, qui bouge. On a juste passé 3 heures à essayer de le faire hier. La caméra tiendra bien au moins. Ah oui, c'est sûr à fond. Moi, Blaise, si la caméra est cassée, je tiens à dire que c'est Madeleine et Mathis qui te l'ont cassée. Non. Je les prends pour responsables. C'est giga en cadeau, ça. Voilà, mais c'est un appareil. Voilà, donc voilà. Bon, voilà, il est où, on peut faire un film. Ah merde, t'as regardé les batteries, c'est chargé? Bah non, c'est pas chargé. Ça me rassure, merci. On fait un film à la bougie. Puis on pédale pour avoir de l'énergie. Comment on va faire? Notre nouveau ingé son est arrivé, dites-moi tout. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va et toi? Tu veux un coup de tête? Non, c'est bon. Bon, alors arrête de filmer, c'est clair. C'est le making of, donc soit poli, soit heureux. Attends, mais j'ai besoin de toi. Reviens. Mais pourquoi tu m'embêtes? Notre ingé son a quand même se familiariser avec son matériel. Alors nous avons face de nous le photographe officiel de Paris Les Saintes. En fait, moi je suis surtout venu parce qu'on m'a dit qu'il y avait des gâteaux gratuits. Pourtant pas un style. Mais c'est pas pour moi le costard uniforme. J'ai pas le tigre du genre idéal. J'en veux même pas les hommes qui parlent. Pourtant pas contre l'amour. Plutôt mon tour. Mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas qu'on s'attache et qu'on s'emprisonne. Mais rien n'empêche que l'on s'abandonne. Non. Oh, cojon! Tiens, toi qui es dans le cinéma, ce film avec Jack Black, s'il vous plaît. Rembobiner la cassette, c'est ça. J'adore ce réel. Ah ben, sans Jamal, même pas je serais allé voir. Et du coup, j'ai vu l'autre film avec la fille de Gainsbourg et l'autre avec Jim Carrey. Et j'ai grave aimé aussi. J'hallucine. C'est moi qui fais découvrir ce réalisateur à Jamal. Fais gaffe, on pourrait devenir pote. Ouais. Peut-être pas abusé non plus. Refais. C'est bien. Mais... Je suis pas contagieux, tu sais. Ouais, je sais que moi, En fait, mais c'est parce que vous débitez votre texte, mais du coup, ça me bouffe. Même sur le jeu, je suis rapide, trop rapide. Il y a des mots, effectivement, qu'il faut bouffer, genre « t'sais » ou des choses qui sont des expressions raccourcies. Après, prenez votre temps, parce qu'en plus, ça met l'émotion, c'est encore plus... plus dans la réalité. Moi, Mathis, il nous dit pas comme ça. Mathis, il dit rien. C'est vrai, il nous dit rien. Mais parce qu'il croit que vous êtes parfait, moi je suis chiant. C'est mieux comme ça. Tu vois. Il filme, merde. Mathis, il dit rien, il s'en bat les couilles en fait. Il fait genre, je suis pro, mais il fait juste que c'est cadrage en fait. Mais au niveau du jeu, bien, il est super. C'est très bien parce que du coup, vous êtes quand même dans un moment où vous êtes
Un peu dans l'intimité. Des fois, genre, ils nous encouragent. Mais on s'en trouve que c'est hypocrite, c'est juste pour comprendre un peu du jeu, tu vois. Voilà. Donc vous êtes quand même dans l'émotion. Je crois que tu vas te faire remonter les bretelles. Avec Jamal, donc prenez bien votre temps pour exprimer les choses. Parce que elle avait raison quand il disait elle a passé la pommade et lui il pas été. Voilà, on y va, on refait. Je suis pas contagieux. Voilà, on attend tout simplement encore le même comme d'habitude, Mathis, le réalisateur qui est toujours à la bourre et qui oublie toujours ses affaires. Voilà, qui râle tout le temps. Et tiens, tu veux dire un mot à la caméra? Non mais à la rigueur t'as dedans coup. Non, je prends la tête en fait. La tête, ah oui. Autant j'ai un peu mal en même temps, je peux le jouer comme ça parce que si j'ai un peu mal. Ah bon, je sais pas, je plains. Vas-y. Il est boxeur, il a l'habitude. Aïe. Bah, bien, ça va en plus, franchement c'est bon. Ah, ça va. Non, on fait. Encore plus fort. Le sadique. Et sinon, c'est quoi? Désisti. Traduction? C'est pour faire semblant que c'est la lumière. Pour faire la lumière? Oui, toi tu y verras mieux. C'est caméra fuite, ça. Ouais, mais bon, là il y a Mathis qui me l'a arrangé, j'y vois déjà mieux. Et ton assistant il peut pas le faire, ce glandeur? Si, ça fait mal. Ah non! Ça c'est trop bien. Faites le rire diabolique. Faites le visage diabolique. Fais le visage docteur fou. Les deux. Deuxième journée de tournage, making of. Bon, explique-moi tout ce que tu vas faire aujourd'hui. La journée, explique-moi la journée. Alors, on va faire la scène de l'aire d'autoroute, là où les malfrats vont venir m'attaquer pour me voler ma caméra. Et là où Farid de Nemours va venir me sauver encore une fois de plus. Et après, on enchaîne ce soir dans l'hôtel, la scène dans la chambre d'hôtel où Farid craque, que je vais me réconforter un peu comme je peux. Et après, on va au Celt et après, on ne dort pas. Donc, s'il vous plaît, envoyez-nous des fonds pour pouvoir avoir des couettes, pour qu'on puisse dormir ce soir dans la voiture. Merci. Ok, merci. Allez, Madeleine, Géraldine, qu'est-ce que vous faites depuis tout à l'heure? Je vous vois assis sur les tables à écrire. On commente un match de un rodéo. Ouais, Hawaii, don't you know that? Et sinon, vous faites quoi? Découvrage technique de la scène. On fait des bouteilles, on filme des bagnoles sur un parking. Ah, en gros. On loue des chambres à l'heure aussi. On met des petits services à la personne. Et perroquet. Ok, ça c'est dit. Voilà. Hein. J'ai vu une interview. Si, je vais t'interviewer toi. J'en reviens. Dis-moi tout, Yael. Je suis occupée, j'ai donné des conseils. Alors, je t'ai dit 50 euros là. Non. J'ai filmé, là, j'ai filmé. Par rapport aux bouteilles, là, tout ça, on est en train de faire la décoration en fait.
fait la déco du bar. Ah, la grande classe. And guys, it's an American movie, don't you know? Ils sont en train de voir comment décorer le bar ici. Étant que Yael étant une des personnes importantes de l'équipe. C'est elle qui place, qui s'occupe des comédiens, qui s'occupe du décor, qui s'occupe de beaucoup de choses. Explique-moi tout. Alors il paraît que tu as joué un rôle, c'est le making of, je t'explique. Donc je veux que tu m'expliques c'est quoi ton rôle. Alors déjà... Proche pas trop. Voilà. Déjà, il a fallu qu'on quitte, tu vois, notre quotidien, parce que bon, on est dedans déjà, nous, tu vois, dans la bagouille. Donc, en fait, notre rôle, c'est pas un rôle de composition, parce que si tu veux, on a fait un peu appel à nous, parce que on trafique un peu dans le milieu, quoi. Donc, on nous a demandé de venir faire un petit rôle de malfrat. Ouais. Et donc, voilà, ben, on va agresser un petit jeune, il est dans le coin, là. Bon, ah, je l'ai interviewé tout à l'heure. Ouais, parce qu'il va nous rooster. Bon, le truc, c'est qu'il va falloir qu'on prenne sur nous, parce que tu vois, normalement, on se laissait pas faire. Et donc, on va se faire rooster un peu la gueule, quoi. Et comme on allait dans la langue, la vengeance, ton plat qui se déguste en froid. Le restaurant, le domaine, on va les retrouver un peu sur la plage là-bas. On va leur régler le compte, tu vois. C'est ça ? Me dis pas la suite, on verra ça plus tard quand même. Faut pas tout dire que ça c'est trop simple. Donc en gros tu joues le rôle d'un malfrat et qui veut essayer de faire quoi? Tu vas leur faire quoi? Pourquoi tu vas les attaquer? Ah ben on va leur braquer un peu le matériel là, parce que Ah ouais c'est, ils disposent d'une caméra je crois ça. Ah ils ont un petit matériel chaudé à mosser là. Et ben on va leur braquer quoi. Vous avez raison ouais. Vous gagnez sa vie hein. Qu'est-ce que t'as pas ça? C'est un peu du milieu, comment ça fait? Pour nous, ça changera bien. Hein. Tant que tu casses la gueule à quelqu'un, toi t'es heureux. Et ça va être caché. C'est ça? Donc voilà, on va leur. Qu'est-ce qu'il fait avec sa caméra lui? Explique-moi, qu'est-ce que t'es en train de faire avec Farid là? Je vais le crever. Ah, attends, écarte-toi un peu. Ouais. Allez, explique-moi, qu'est-ce que t'es en train de faire avec Farid? Je vais le crever. C'est bon, je sais que t'es un malfrat, mais explique-moi. Et c'est quoi ton rôle? Dis-moi, c'est quoi ton rôle? Je crève à tout le monde, non? C'est quoi ton rôle? Dis-le! Tu le vois à mes yeux? Bon, Farid, voilà. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On est en train de chorégraphier le petit combat qu'on a avec le José. Forte fièvre! C'est allez. Difficile? Hein? C'est allez. Difficile? Alors quoi, je m'en... Comme quand j'étais à l'école, pareil. Tu flippes, non? Jamais. Jamais? Jamais. On va voir ça. José, il a une petite appréhension en fait pour frapper parce qu'il n'a pas l'habitude, du coup, il n'ose pas trop porter des coups. Et là, c'est de mettre à l'aise justement sur les scènes de combat. C'est une tapette quoi. J'ai jamais fait. Allez, on réessaye. Je vais faire comme d'habitude. Voilà. Comme d'habitude. J'ai pas peur. Tu vois, il y a pris en fait dans le juste avec ça. Bim, papa. Je vais frapper deux coups. Du coup, tu auras posé ta jambe et tu repars après. Je vais mettre. Mais là, c'est comme si c'était deux boxeurs qui battaient là. Mais non, parce que tu vas mettre juste un seul coup. T'arrives, tu vas mettre un coup. Ouais. Je vais juste esquiver ton coup, il met deux coups, tu vas tomber derrière. Essayez pour les cons. Ça va? Ok, vas-y James, est-ce que tu peux m'expliquer l'histoire du défi là? Alors, il faut qu'ils attrapent le tabac de la main gauche et de la main droite la bouteille. Et le premier qui a les deux va éclater la bouteille sur le crâne de l'autre. Voilà. Ok, donc les concurrents sont... Les deux régisseurs, Camille Chave et Valentin Chave. D'accord, merci. Il faut éviter la patate aussi. Allez, c'est parti. C'est Géraldine qui lance le top. Ah non, c'est quand le chapeau de Marine tombe à terre, c'est ça? C'est là.
pour le bras, après le reste, c'est pas. Et après, ils sont si on arrive à l'avant-faire, c'est pas mal quand même. C'est du cool. Yes. Yes. Voilà. Mais vraiment, par contre, est-ce que tu peux arriver à le pousser? Madeleine, tu peux pas voir un bambou ou un. Et un mammouth. Là, ça ira. C'est ok, là, tu es juste plus dedans. Là, tu es plus là. Là, je suis plus. Clark Kent, regarde-moi. Déjà, je peux faire des cailloux pions, si tu veux. Les appelle-moi super, tu l'as dit. Mais je vois pas de super, Clark Kent. Super Kent. Non, c'est bon, on va du prendre de la pifraille. Yeah. Tu veux vraiment le vieux super malin, en fait. Ah oui, bah oui. Ah. Oh belle. Ah ça elle est sympa. Je sens que tu vas avoir la classe. Je sens que tu vas. Super lampe torche. Ah yeah. Y a pas un personnage de. Green, Red Lantern. Green Lantern, Red Lantern. Ah, c'est pas Terminator non. Ah si. C'est bon ça regarde. C'est Red Lantern. Sarah Connor. Dis-moi tout, qu'est-ce que tu vas faire? Je suis un réceptionniste d'hôtel raciste, pervers et et sinon, tu vas faire le rôle de quel rôle? Le rôle de quoi? Tu vas faire quoi là? Pourquoi t'es là? Un réceptionniste d'hôtel. Ok. C'est, ah, mais c'est vraiment ton rôle? Raciste et tout le bordel? Oh bah. Matt, qu'est-ce que vous allez faire dans le bar? C'est comme tu veux. Ouais, nous allons tourner la scène 6. Voilà, ça. Ensuite, on bosse là. Ah, c'est la base de la base. Voilà. Ça, j'espère que le public a compris. J'espère que le public comprendra mon message. Parce qu'il vient de mon petit cœur. Vas-y, là. Macho, 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 stado. J'adore. Macho, 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 stado. J'adore. C'est tout. C'est mon délire. Machicha, machistado. Je te fais juste un nœud pour que le fil tombe pas, mais je ne sers pas. Hein. Vous avez des frissons? Merde. Eh oui. On vient de découvrir que Clark Kent ne se change pas en fait dans une cavité phonique seul. Il a obligé besoin d'avoir deux assistantes avec lui. Vas-y, Superman, fais-moi rêver. Attends. Attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Voilà, vas-y, fais-moi rêver, fais-moi. Là, il fait un peu Spider-Man là. Hein. Descendu là. Tranquille. Il est descendu. Non mais c'est absolu. Pourquoi vous me regardez comme ça là? Ah. Ça c'est le kiff de Mathis parce que c'est lui Batman, son équipe de basket. Ouais, je sais. Pardon. Alors voilà. On est en plein milieu de tournage de la scène 6. Donc je constatais le défaut. Tout le monde travaille, tout le monde est bien, tout le monde va bien, tout le monde est content, et juste là, voilà, le régisseur. Non, si tu me gênes, je vais ton bras dans le miroir. On est parce qu'on travaille dur, j'ai pour tarte. Troisième jour du tournage du making of. On est au Sainte-Marie de la Mer. Eh gaffe, faites gaffe hein. Faut pas perdre de gaffe. Non, c'est ton court-métrage. Hein? Derrière sur. Aïe! C'est jamais à la gauche.
Gaffe, s'il vous plaît. Demande à Mathis. Demande à Matt. Mathis. On veut du gaffe. Madeleine. Du gaffe. Quoi? Explique-moi ce que vous allez faire. On fait du gaffe. C'est celui qui fait les gaffes. Ah non, c'est moi qui le faisais pour faire la fiche. On fait du gaffe. T'as mis que du gaffe. Gaffe, 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 gaffe. Explique-moi ce que vous allez faire. J'ai vu l'appareil photo, caméra photo. Enfin, tu es un peu moins de gaffe, on dirait. Au début. Tu me parles, toi? Ouais, donc. Ah ouais, elle était morte. Donc, explique-moi ce que vous allez faire. Là maintenant? Ouais. La scène 10. C'est trop drôle. C'est en fait une scène de voiture où en fait on a les deux personnages qui parlent un peu plus. Comment dire? Un peu plus profondément dans leur relation. Ce qui veut dire qu'en fait ils vont un peu s'exprimer l'un et l'autre sur. Sur le fond, sur comment ils ont connu Jamal, un peu pourquoi ils en sont là, etc. Et donc voilà, donc ils vont au Sainte et en fait quand ils ont fini leur dialogue, ils sont arrivés au Sainte. Et ça s'enchaîne avec la scène qu'on a tournée ce matin, qui est la scène de baston sur la plage, et puis le faux baiser et tout ça. Quoi. Voilà, et donc pour ça, Madeleine Chefop nous a fait un super outillage pour que la caméra filme comme ça avec nous deux, avec les deux. J'ai essayé de l'interviewer, mais elle m'a regardé, elle m'a fait yes. Donc, c'est parce qu'elle est très fatiguée. Voilà. Et du coup, en fait, quand elle est très fatiguée, elle répond mot par mot à ce qu'elle a besoin et pas plus. Une voiture pire que celle de tournage. Qu'est-ce que vous avez vu? Je l'ai entendu, on l'a entendu, mais tu sais, tu peux me tutoyer. Hein. Ouais. Je crois que là, vous pouvez. Donc le premier rôle de Christophe Maé au cinéma. C'est pas important, c'est pas important qu'il faut qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne. C'est excellent. Avec une flèche. Ouais. Qui nous illusionne, faut pas qu'on s'attache et qu'on s'emprisonne. C'est le voleur de toute ma gueule là. Putain, on a Christophe Maillet qui a fait. Je les ai rendus, Nico, t'as oublié ou quoi? Voilà, non. C'est là, c'est la plage. Et voilà. Bravo! Voici James et son travail. Bon, il nous reste combien de plans là, s'il vous plaît? Deux plans? C'est les plans de le roulage de palo. Ah, non, ça c'était pas trop un roulage de palo ce que tu viens de faire. Si, mais c'est un roulage de palo bassien. Pas les mêmes lèvres, c'est ça? Voilà. Allez, c'est parti. Petit coquin. James. Oh là 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 là, ce qu'il vient de te faire, Farid. Attends, il y a Momo qui arrive. Ah non, pas l'oreille. Non, mais elle aime que les soumis. Ah, t'es chiant, toi. Tu veux pas lécher Momo? Ah. Allez, c'est parti, on refait. Coupé. T'as bon, non? C'est pas pour moi le costard uniforme. Arrête la musique, il est en train de filmer là-haut. Non, mais moi je filme. Vous voyez tout moi. Je suis repéré. Attention. Coucou la caméra. Oh, c'est magnifique, on dirait un film d'horreur. Oh, ça fait peur. Ouais, c'est génial. Non, bah je loupe. Oh, c'est dents qu'il a. C'est impressionnant. Your eyes left drift away like a ship on the ocean. We set sail for another day. Come
Zay